Bonjour, nous voilà pour la nouvelle vidéo de la semaine. Alors, on était en train de discuter avec Jérôme, lequel, et on s'est dit, mais on a oublié de parler du WoW. Celui-là, on aurait dû en parler depuis très longtemps, mais bon, on avait complètement oublié. Alors, le WoW, c'est un tour qui est arrivé à la Colombe d'Or il y a quelques années, et le monsieur est arrivé avec son petit sac, il nous a fait une démonstration. Il en avait pas Non, c'est beaucoup. pas la Colombe d'Or, c'est Arcachon, je crois. Moi, je l'ai vu à la Colombe d'Or. Il est arrivé, oui, effectivement, à Arcachon, mais moi, quand j'ai vu à la Colombe, parce que c'était pas loin de chez moi, il n'en avait pas beaucoup. Il nous a fait une démo, et je crois qu'en 10-15 minutes, les 50, ils sont partis. Qui c'est qu'en veut, qui c'est qu'en veut. Et est-ce que, bah, déjà, à la base, ils étaient à 60 euros. Le temps que, ouais, si on en prend une dizaine, parce qu'on est 10, vous nous faites un prix, non, 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 l'autre il prend, l'autre il prend. C'est tellement parti vite qu'on a tous séparé, on a pris, et à la fin il n'y en avait plus. Donc il n'a même pas fait 2 jours, il n'a fait même pas une demi-matinée. Il m'a montré ça, tout le monde en a pris, il n'y en avait plus. C'est parce que c'est la première fois qu'on voyait ce tour-là, parce que maintenant il y en a, si je vous montre ça, vous direz, ah, je connais, mais je ne l'ai pas acheté, ou je connais parce que je le fais. Mais quand on le voit la première fois, on est comme des malades. Donc le WoW, c'est très bon. Vous avez la version Masuda originale ou la version copie chinoise. Je vais vous faire la démonstration des deux, comme ça vous verrez la différence. Le résultat est le même. Les gens apprécient autant l'un que l'autre. Démonstration pour le WoW. Donc là, vous avez l'original. Là, vous avez la copie chinoise. OK? Donc comment ça fonctionne? Comment ça se présente? Vous prenez une carte que vous faites signer. Vous la perdez dans le jeu. Vous en prenez une au hasard que vous la mettez à l'intérieur. Vous montrez ça au spectateur, vous lui dites c'est votre carte, il vous dit non. Vous dites concentrez-vous, et en une fraction de seconde, donc je résume, hein, la carte se change à vue, mais en douceur, et on peut la sortir, elle sera même effectivement signée. On va le faire la même chose avec celui-là. Le magicien prend une carte, la met à l'intérieur, il montre au spectateur c'est votre carte, il dit non. Attention, on va aller très doucement, donc il faut bouger. Pour donner une illusion comme un mirage. Et là, vous allez voir tout doucement, ça va se changer à vue, à vue, à vue, à vue. Le rouge disparaît pour laisser la place à du noir, même avec une signature. Et à vue, la transformation se fait, c'est ça qui est génial. Donc vous avez vu, il y en a un où les pixels sont plus gros, l'autre plus petit, mais le résultat est le même. Ça sera. Alors je t'avoue que là, de le voir à la caméra, il n'y a quasiment aucun. On voit quasi, c'est autant Okay. clair l'un que l'autre. Tout à fait. Ben comme j'aime bien ce tour, j'en ai plusieurs, puisqu'il y a plusieurs cartes. J'ai un coup le 7 de pique, un coup le 5 de cœur, un coup le 5 de carreau, un coup le 6 de cœur, le 9 de carreau. J'en ai plein, plein, plein. J'ai des 4 de pique, des 4 de trèfle. J'ai plein de modèles. Donc j'aime bien le faire et échanger de temps en temps. Pour ça que j'ai pris ce modèle chinois, mais les deux marchent aussi bien. Ça, c'est une question de budget. Vous avez celui-là qui est un petit peu plus cher, celui-là qui est un petit peu moins cher. Et au fil des années, en fonction des achats, celui-ci varie au niveau du prix. Celui-ci, maintenant, je crois qu'il stagne à 34 euros, il me 34 euros, il me semble. semble Celui-là, il original. stagne à 34. Celui-là, il est passé de 30 à 15, à 20. Donc, en fonction des achats, il monte, il descend. Mais voilà, le WoW, c'est du très bon parce qu'il vous faut quoi? Un jeu de cartes, ça vous l'avez toujours. Un jeu de cartes ordinaire. Un stylo pour faire signer la carte, c'est mieux de la faire signer, c'est plus joli. Donc ça, vous l'avez toujours, parce que vous faites toujours la même chose avec un jeu de cartes, vous faites signer les cartes. Et après, vous avez juste ça à trimballer. Il n'y a rien d'autre. Moi, c'est pour ça que je l'ai toujours dans ma petite pochette rouge. Et ça, c'est du très très bon. Le WoW, c'est. Mais la première fois que je l'ai vu, on connaissait pas ce principe et on était comme des malades. Même les magiciens, parce que c'était à la Colombe, il y avait beaucoup de magiciens. Je voyais les réactions, autant professionnels que débutants, ils étaient comme des malades. Très, Et très on bon. peut faire de multiples routines avec qui sont impressionnantes. C'est vrai que là je fais du On ne se simple. contente pas que de ça. Alors, dans notre vidéo d'explication, on va vous faire une explication simple que je vais faire moi, une explication compliquée où il y aura de la levée double, le tour de base du WoW, voilà. Donc, et après, il y a plein d'idées, plein de choses à faire. C'est vraiment pas mal. Je vous dis, il n'y a que ça à trimballer en plus par rapport à un jeu de cartes. Et l'effet est dévastateur, c'est très très bon. Je ne dis pas ça pour vous l'acheter, genre, allez-y, je ne suis pas le vendeur qui l'a à vous dire, allez-y, achetez-le si c'est bien. Je vous le dis parce que c'est vraiment très très bon. Et ça plaît énormément au niveau. De toute façon, le tour, déjà, il faut qu'il plaise à nous, mais il faut qu'il plaise plus aux spectateurs. Parce que si les spectateurs, ils adorent, eh bien, vous passez pour un bon magicien, quelqu'un
qui leur a fait passer une bonne soirée, donc ça c'est bon. Et puis c'est une magie qui se verticalise et qui est extrêmement visuelle. C'est ça, c'est la magie verticale. C'est ça qui est très très fort sur ce tour-là. Et en plus, vous n'êtes pas obligé, s'il y a 20 personnes autour de vous, tout le monde verra le tour, c'est ça qui est bien. Voilà, ça c'était le WoW vidéo de la semaine, très bon. Donc il existe là aussi plusieurs cartes, hein, choisissez celui que vous voulez en fonction du stock. Des fois c'est en rupture, donc ne prenez pas ce qui est en rupture. WoW de Masuda ou WoW copie chinoise, voilà. Faites-vous plaisir, ça c'est du très bon. Si vous ne l'avez pas, faites-vous plaisir. Et s'il y en a qui hésitaient entre la copie et l'original, eh ben, vous avez vu la différence. C'est à vous de choisir en fonction de votre budget, en fonction de vos préférences. Voilà, merci à vous, à bientôt.